Amélie de la chaîne Design et Diamant. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien parce qu'aujourd'hui, on est la journée numéro 5 de mon calendrier de l'Avent. Et oui, déjà la cinquième journée, ça va tellement vite, mais c'est tellement agréable. Alors, comme vous le savez, je fais un calendrier de l'Avent avec mes bonnes amies Mélanie de la chaîne Diamant Folie et Caroline de la chaîne Carly Angel. Je suis tellement contente de faire cette activité-là avec eux. C'est tellement des bonnes personnes. Ils sont drôles, gentils, avenantes, vraiment. Si vous ne les connaissez pas, allez voir leur chaîne. C'est vraiment des bijoux. C'est vraiment là, des filles, là, c'est des trésors. Mais aujourd'hui, vu qu'on est la journée numéro 5, c'est les chiffres impairs. Donc, c'est un cadeau de ma belle Caroline. Et oui! Alors, on va commencer par voir c'est quoi l'indice qu'elle m'a donné pour le cadeau numéro 5. Alors, je vous remonte sa belle carte avec le beau Père Noël. Et elle m'écrit. Numéro 5, j'ai une cicatrice en forme d'éclair sur le front. Donc, on s'entend qu'on parle du Harry Potter. Bien sûr, on parle d'Harry Potter. Harry Potter, c'est un personnage que j'adore et je ne suis pas la seule. On est toutes, ben pas toutes, mais des fans d'Harry Potter, je crois qu'on en est vraiment beaucoup. Moi, je suis fan d'Harry Potter, mais je suis fan de tout ce qui entoure la magie en général, ce qui inclut les sorcières, ça inclut aussi tous les personnages fantastiques, mythiques, tout ce qui est dans cet univers-là, mais Harry Potter... Vraiment, j'adore. Et le cadeau de Caroline, le cinquième, c'est celui-là ici. Alors, c'est pas trop épais, mais c'est comme plat sur les extrémités. C'est comme épais dans le centre. Et c'est épais. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a dedans. Un petit peu de bruit, mais rien de. On va l'ouvrir. Je l'ouvre avec vous. Ah, Caroline, t'as pas mis trop de papier collant, c'est pas si pire. Elle m'a dit l'autre fois qu'elle était très, très bonne pour mettre beaucoup de papier collant. L'affaire, c'est que habituellement, je fais pareil. C'est juste que quand j'ai emballé les cadeaux des filles, ce mois-ci, si on veut, au mois de novembre, j'avais quasiment plus de papier collant, alors j'ai été très économe. Actuellement, j'en mets, puis c'est pour vraiment chercher de trouver une place pour ouvrir. Bon. Alors. Attends, il y a plusieurs choses dedans. Attendez. J'enlève le papier. Hop! Bon. Alors, dans le paquet, il y a trois objets. On va les regarder ensemble. Premièrement, il y a des stickers! Des stickers Harry Potter. Ou si on veut parler en français, des collants. Des collants, des autocollants. Alors. Puis c'est vraiment avec le vrai logo d'Harry Potter. Là. Mais c'est des petits bonhommes. Alors, y en a-tu en deux? Plein de noms. Alors, c'est des petits bonhommes comme ça. Alors, je vais essayer de vous les faire défiler. Ça doit être Hermione ou... Ah, peut-être Luna. Ouais, peut-être Luna. C'est comme ça. Un petit Ron. Ils sont mignons. Un autre Harry Potter. Il n'est pas tout à fait de Paris. L'autre, il n'y avait pas le même chandail. Ça doit être l'oncle d'Harry. J'ai un blanc, je ne sais pas. Le sigle avec les lunettes. La méchance de Dolores. Une araignée. Il y a comme un reflet avec mes vitres en haut. Ça doit être Hermione plus loin. Ah, oh, lui, il est drôle. C'est le livre de sorcellerie. Une licorne. Ça me fait penser au prof, là j'ai un blanc sur les noms, là, mais tu sais le prof Vanito, là, dans le deuxième film.
Ça, c'est dans le quatrième film. Ça, c'est la... Allô, avance pas. Non, mais si. Ça, c'est la prof de divination. Edwidge. Bien qu'elle est blanche, habituellement, en tout cas. Un autre Harry Potter. Un autre... Alors, j'ai cash parce que mon gars va vouloir les avoir. Peut-être y en donner quelques-uns. La coupe. Hermione qui s'en va au bal. Harry qui s'en va au bal. Ça, d'après moi, c'est le concierge. Coupe de feu. Pas sûr. Le papa de... Petit garçon méchant, là. Je me souviens pas de son nom. Et habituellement, j'y sors comme ça. Ça doit être la cause que je vous fais une vidéo, là, ça me vient pas, là. Un autre run. Ça, c'est Voldemort, d'après moi. Ça, je trouve que ça ressemble à la prof qui apprend le vol. À moins que ce soit... Non, ça c'est... C'est l'autre méchante. Je ne me souviens pas de son nom. Elle est jouée par Helena Bonham Carter. Je me souviens du nom de l'actrice, mais pas du nom du personnage. Ça, je ne sais pas. Oh, vraiment trop drôle. Un petit... lui, il joue au Quidditch. Quidditch, le chapeau. On a professeur Dumbledore. Le vif d'or. Hufflepuff. Un chaudron. Un autre comme ça ici. Serpentard. Un petit bébé dragon. Ça, c'est le papa de Luna. Ça, c'est un des... Ah, Drago. Ça, c'est un des acolytes de Drago Malfoy. Ouais. Serre d'aigle. C'est-tu les clés qui volent, là, dans le premier? Dans le premier, ouais. Dans le quatrième film, les filles viennent pour la compétition. Pas sûr. Peut-être Luna. Comment ça s'appelle, là? Les clés fondants? Le premier prof de... dans le premier film. Ah, oh, ça c'est... Non, celui-là c'est Harry Potter. Parce qu'il y a Gryffondor, celui-là. Le château. Et... le Magicopus. Alors, on va dire qu'il en manque pas ben. On s'entend, là, dans tout... J'essaie de voir où est-ce que je peux mettre. Dans tous les collants, ça fait pas mal le tour de l'univers d'Harry Potter. Oui, ok, il manque peut-être quelques monstres. Ça, mais quand même pas si pire. Ensuite, oh! Ici, on a un signet. Attendez, je vais vous le sortir. Un signet de livre. Voyons. Je vais vous enlever la pellicule plastique. Alors, c'est un signet comme ça. En métal, avec un tout petit Harry Potter qui vole. C'est donc même mignon. Il va falloir que je me remette à lire des livres. Ok, depuis que je fais du point de croix et du time and petting, je vous avouerai que la lecture a pris un peu le bord. Mais que voulez-vous? Et j'ai un pot! Un porte-clés Harry Potter. Mon gars va être jaloux. Ouais. Regardez ça, c'est mignon. Oh, merci Caroline.
ma belle Caro d'amour. Vraiment, là, t'es tombée dans ma table. Vraiment, là, génial. Alors, si vous avez aimé ce que vous avez vu, venez les autres journées parce que j'ai d'autres cadeaux jusqu'au 24 que je fais avec mes deux copines. Puis allez voir leur chaîne aussi. Alors, allez les voir, là. Ils reçoivent vous aussi des belles surprises, des beaux cadeaux. Alors, sur ce, je vous laisse et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!